Bonjour, je suis Mahesh Lathiri. Je suis ici en Belgique depuis 2001. Je suis marié, j'ai un enfant. Il a l'âge de 14 ans. En 1992, c'est un mauvais accident de mobylette. Il y a une voiture qui m'a pris de côté droit. Et alors l'ambulance est venue après une bonne deux heures. Et après il m'a amené à l'hôpital. L'hôpital, il pensait que c'est une fracture. Il m'a mis de plâtre. Mais c'était pas vraiment quand quelqu'un il y a. La fracture, il ne doit pas demander de boire de l'eau. Mon oncle, il était là-bas, il a dit que ce n'est pas juste. Puis, je demande de boire de l'eau. Elle a paniqué, elle était ça, dans l'urgence. Il m'a amené à un autre hôpital. Après, à un autre hôpital, après l'ambulance, l'a vu deux, trois fois, aller-retour. Je suis dedans, avec le plâtre. C'est déjà foutu. Parce qu'il y avait trois veines qu'ils ont coupées. Ces trois veines, après une opération de 7 heures, ils ont trouvé qu'une. C'est foutu. Ils m'ont dit, après ils m'ont revenu, ils m'ont dit qu'ils doivent être amputés. Parce que moi, d'abord, j'ai commencé avec une prothèse en bois. Une prothèse en bois, ça veut dire, elle est lourde, avec une ceinture ici. À mon arrivée en Belgique, j'ai mon premier prothèse hydraulique. Je marche avec mes pas. J'étais content. Et chaque 3 ans, je dois avoir une nouvelle. Et maintenant, ils m'ont proposé ça. J'ai dit tout de suite, je vais essayer, je vais les aider. Parce que je suis quelqu'un curieux. Je dois voir des nouveautés. Je vais les aider. C'est des chercheurs qui cherchent. Je vais essayer une nouvelle prothèse. On est au début, maintenant. Donc faire. Chaque fois, on va découvrir quelque chose jusqu'à qu'on arrive. Je trouve qu'elle est souple. Souple pour marcher. Hein. Surtout quand ça monte. D'appareil, j'ai pas eu de problème. Quand je monte avec cette prothèse, c'est difficile pour moi. Avec la nouvelle, là maintenant, c'est simple, ça monte tout seul. Comme quelqu'un et deux jambes. Je suis curieux de le voir. Hein. On va aller pour gagner. Hein. Je vais faire mon mieux. Je suis quelqu'un qui est toujours gagné. Je vais bien toujours gagner.